Bon, ça fait 3 ans de cela, je suis hypocalcémiante. Bon, j'ai été diagnostiquée ça à l'hôpital. Bon, bref, c'est communément appelé le rhumatisme, je ne sais pas trop, mais on m'a dit que c'est hypocalcémiante et tout. Apparemment, c'est une maladie héréditaire du côté de maman et tout. Bon, que. Ça fait comment? Ça fait très mal aux articulations, aux pieds, surtout au niveau du genou et tout. Mais ces derniers temps aussi, ça a commencé à me faire mal aussi aux doigts et tout et tout. Du coup, quand ça me fait mal, soit je n'arrive pas à me lever du lit, je bois, j'ai des difficultés à faire des longues marches, je ne peux pas me tenir debout très longtemps. Du coup, il faut toujours que je sois assise ou couchée et tout et tout. Bon, ça a commencé à vraiment me faire mal ces derniers temps et tout. Bon, j'étais allée voir le médecin. Mais ça me fait souvent les chutes, déjà. Quand il fait très froid, je n'arrive pas à me déplacer, mais je suis accrochée. Je suis vraiment, comme on dit, quelqu'un ne sent rien sur lui, déjà paralysé, même à la limite. Du coup, je supporte pas le froid et tout et tout. Il s'est avéré que jusqu'à on m'avait déjà demandé plusieurs fois, quand j'allais à l'hôpital, on me demandait toujours si je suis drépanocytaire, mais non. C'est juste que j'ai l'hypocalcémie et tout. Bon, je suis partie à l'hôpital dernièrement pour faire les analyses, pour savoir si c'est seulement de l'hypocalcémie que j'avais, vu que ça a aussi attaqué mes doigts. Bon, j'ai les doigts qui restent souvent raides, saccades, ça me fait mal, il y a les crampes et tout ça. Je ne peux pas tenir le plat dans ma main plus de 2 minutes, sinon le plat va quitter, ça va tomber de ma main sans que je me rende compte même d'abord. Bon, du coup, je suis allée voir le médecin et tout, on lui dit j'ai assisté à la prière de délivrance et de guérison. Gloire à Dieu, j'ai été guérie par la prière et tout ça. Bon, j'ai même pu sauter, j'ai fait 4 sauts sans me rendre compte et tout, gloire à Dieu, tout va bien maintenant. Bon. Je ne sais pas si je dois arrêter le traitement ou continuer, mais gloire à Dieu, tout va bien et tout. Amen. Ça.